Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur le remaster de Diablo 2. Nous sommes toujours à l'acte 5. Nous avançons doucement mais sûrement. On a terminé du coup cette petite quête, le traître d'Arrogatz. Et on va aller parler à l'autre mec là. Il est où? C'est quoi le cake? À chaque fois que j'entends parler de vous, guerriers, vos exploits deviennent de plus en plus légendaires. Mais prenez garde, vous approchez du sommet du mont Areat. Je ne m'y suis jamais aventuré. C'est un lieu sacré pour nous. D'après les légendes, il est protégé par les anciens qui empêchent quiconque est indigne d'y pénétrer. Votre réputation ne suffira pas. Les anciens seuls décideront si vous êtes digne. Ok, bonne chance. Donc, empruntez le chemin des anciens pour rencontrer les anciens au sommet du mont Areat. Et ici, il est où le chemin des anciens? Vous êtes drôle, vous. C'est quoi le chemin des anciens? Bon alors, est-ce qu'on a suffisamment... Ah oui! Faut que je vous dise. J'ai récupéré une petite ceinture avec 12 emplacements. Du coup, j'ai une ligne de plus ici. Alors... Chemin des anciens. Ok, donc c'est après la toundra glacée. On va y aller. Bonjour. Alors, du coup. Mana, mana et mana. Et soit dit en passant, je suis repassé sur ma première ombre. Mince. C'est pas ce que je voulais, c'est ça. Le guerrier de l'ombre et non plus. Comment elle s'appelle la petite compétence? Le maître de l'ombre. Même si le maître de l'ombre a beaucoup de boost en fait en termes de tankiness. Bah voilà, j'ai 10 points de stats ici, j'en ai qu'un là. Beaucoup moins de vie. Voilà, 340 pour 800. Score d'attaque 40 pour 400. Défense 5 pour 108. Donc autant vous dire que c'est le jour et la nuit. Et pareil pour les petites sentinelles de foudre. Les autres étaient sympas, mais en termes de dégâts, clairement pas à la hauteur. Donc. Ah. Il y avait un petit ennemi. On va prendre la potion de mana. Et on va avancer. Je sais pas par où, ça va être par là, je suppose. Ah, le chemin des anciens. Voilà. Donc c'est ça. Laissez-moi tranquille, arrêtez de me geler. Oh la vache. Des petits pièges en avant. Les points de vie. Hop, pas de mana. Nickel. Parchemin d'identification. On l'avance. De mana. Ah, le gel, c'est une horreur. Je marche à 3 à l'heure. Alors, on va prendre une petite potion de vie parce que ça a l'air de taper fort. Là, juste je passe voilà. Pourquoi tu me tapes moi? On a d'autres à taper. Pas assez de mana. Là. Déjà ça commence. Esquive de la glace. Ok, bon. Rien ici, c'est un cul-de-sac. On va passer sur le. Bah non, sur le côté là. Ah.
Putain, ouais, je prends cher ça. Ah d'accord, je me disais aussi je prenais très cher, mais c'est normal. Nous sommes en face d'un élite. Je suis toujours en équipement enchanté par l'or. Allez. Ah, une épée de guerre. J'ai chopé une épée verte. Alors, potion de vie, potion de mana. Potion de mana. Potion de vie. Faire un petit tour en ville et voir un peu ce qu'on va y trouver. Et de quelle arme s'agit-il? C'est surtout ça qui m'intéresse. Allez, Descarcane, dis-moi. Restez un instant et écoutez-moi. On est sur le toucher de la mort, épée de guerre. Ok. 25% de dégâts supplémentaires, mais j'ai pas de toucher de la mort. J'en ai pas d'autres et des objets touchés de la mort, je crois. Est-ce que j'en ai d'autres? Étoffe. 4 ans. Petit bouclier. Signe infernal. Non, on est touché de la mort. Donc. Ah, j'avais déjà touché de la mort, l'épée. Alors, du coup, on a quoi là? 10, 25. Niveau 6. Niveau... C'est la même en fait. C'est exactement la même. 25% de dégâts supplémentaires, 4% de vie volée. Ok, c'est la même. Sauf que celle-là est un peu en meilleur état que l'autre. Bah, ça va partir dans une vente, ça, direct. Que puis-je pour vous? Allez, salut. Donc, on va avoir Mala. Salutations. On remet ceci et on va pouvoir repartir à l'assaut. Alors, passons par là, on va voir. Culture. Ah, une piste, ça m'intéresse. Je dois chercher, je sais pas trop quoi. Hein. Et le gel, c'est bon. Pas assez de mana. Pas assez de mana. Ça, c'est chiant. Allez, vive la foudre. Oh, un sceptre des guerres. Putain, mais il y a du verre qui tombe à tour de bras, là. Pour les paladins, ok, très bien. Après, en même temps, fallait s'y attendre, hein, sceptre. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Montrer, on va aller faire un petit tour dans ce feu, mais surtout le petit puits. Voilà, et on va aller par là-bas. Après le feu ici, je vais te dire. Il n'y a pas beaucoup de monstres de feu. Hein. Ah oui, il y en a resté un, je l'avais pas eu. Petite potion de vie, petite potion de mana. Putain, ça va vite, hein. Culture d'endurance. Potion de mana. Donc là, on vient. Ouais, il y a du monde ici. Par là-bas. Attendre que le ménage soit un peu fait là. Ah, il y a lui aussi. Je l'avais pas vu.
What the f... Hein? Pourquoi tu m'attaques moi? Sois tranquille. On avance. Par là-bas. Ok, je l'avais pas celui-là. Très bien. Et c'est pas là. Donc du coup, ça va être par là-bas. Et bah, allons-y. Je sais pas absolument pas ce que je recherche. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. Enfin, de toute façon, il n'y a plus trop le choix. Hein. C'est là où? Là ou là? On va aller par là. Je sais pas si c'est là. Allez, voilà. Calmer tout le monde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Putain, il y en avait d'autres là-bas. Là. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Bon, intéressant. Du coup, ça nous emmène par là pour revenir par ici. Fais le tour, on loupe rien, il y a peut-être des passages, des sorties ou je ne sais quoi. Putain, ah. Elle me direct. Oh, bouclier à pointe unique. Potion de mana, potion de mana, potion de mana. Bouclier à pointe. Je vais voir ce que ça donne. Alors, chance de bloquer 20%, chance de blessure ouverte 50%, défense augmentée. Voilà. Je pense que c'est qui se marre. Pourquoi lui attaque pas hein? Alors, pas bien. Ah si, il attaque. Ah mais c'est énorme ce niveau, c'est un truc de fou. Il y a une urne maléfique ici. Potion de vie. En tout cas on chope des petites gemmes, c'est cool. Petite potion de vie, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par là-bas? Sommet d'Ariat. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Ils disent quoi? Emprunter le chemin pour rencontrer les anciens au sommet. Donc ouais, en fait, faut que je traverse du coup. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs cachés ou... Donc là, ici, on ira au sommet. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Ok, là y'a rien du tout. Direct mon gars. Ok, donc on a la sortie qui est juste là-bas. Et on aura pratiquement fait le tour de la grotte complète. Tout ça pour trouver le sommet du mont Aral. Alors, consulter les anciens en activant l'hôtel des cieux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'hôtel des cieux? Ah c'est ça? Ouais, ça sent la baston à plein nez, alors... On va faire un petit arrêt au stand. Alors, du coup, ça, c'est de la merde. Pourquoi puis-je vous aider ? On va prendre... Tumana. Et un peu plus de vie. Hop là. Ça, du coup, ça va aller dans le coffre. Et on va... y aller.
Où est-ce que je vais foutre ça? Ça prend encore de la place. J'avais prévu de faire un paladin, donc hop, ça ira là-dedans. Bon. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est cette chose? Alors. Tarek le défa... Qu'est-ce qui... Consultez les anciens en activant l'hôtel des cieux. Ok. Madouak le gardien. Ok. Un qui s'est barré. Putain, il est très fort lui. Avec sa trombe. Là. Bah voilà, c'est fait. Par contre, le boucan que ça fait, ce truc, c'est une horreur. Alors, quête terminée. Et donc du coup ici, trouver la salle du trône de Baal. Ok, donc du coup, cette quête-là, je sais absolument pas à quoi elle sert. Du coup, oh, on a pris un niveau. Yes. Alors, 5 points de stats. Bah du coup, vitalité. Hop, et en compétences. Bah je vais prendre celui-là, parce que l'ombre a l'air vraiment pas mal. Mais du coup, il faut que je la booste. Ok, et maintenant on va. Bah c'est quoi? C'est par là du coup. Vers le donjon de la pierre monde. Alors. Par contre, j'ai pas eu d'objet. En fait, genre, ils donnent pas d'objet. Les bâtards. Si je retourne en ville, est-ce qu'il va se passer des choses? Est-ce qu'on va me parler? On va me dire ouais, bravo, GG, ou non, je sais pas. Remporter la victoire sur les anciens est un exploit incomparable. C'est pas compliqué, hein. Cela signifie que vous êtes prêt à affronter Baal. Du moins, je l'espère. Eh ben, on verra bien. Ok. Vous avez fait vos preuves envers ce peuple. Ces gens vous considèrent comme leur guerrier, leur champion. Eh. Hey. La puissance. Bon, bah, du coup, rien de particulier. On va. Là, je m'attendais à une bonne grosse baston, les un truc. Vous estime digne, et nous de même. Je n'ai plus aucun doute à votre propos. Ok. Salutations, héros. Merci. Ah oui, bonsoir. Donc du coup, je voulais réparer à la place, à la base, pas à la place. Ça, j'ai pas déposé mes. J'ai pas déposé mes petits trucs là. Et du coup, si je regarde, est-ce qu'il y a donjon? Faut que j'aille au niveau 2. Faut que j'aille du coup au niveau 2 pour choper le téléporteur. Bah, on va y aller. Ok, bah let's go. Alors. Le donjon de la pierre monde. Qu'est-ce qu'on a comme ennemi là-dedans? Ah mais ils ont encore les trucs chelous là. Une tire, une émeraude. Ouais, ça, je sens que. Ah, ces trucs-là, ça. Ça fait des effets chelous.
sur les ennemis là, ça leur crée des sortes de petits escargots là, limaces chelou bizarres. Ok. Alors, bon déjà, il faut qu'on se balade et qu'on trouve le niveau 2. Déjà. Et par là, il y a encore des monstres. Oh, les charges comme ça, là. J'ai envie de les claquer. Laissez-moi tranquille. Attends, puis en plus j'ai pris mes potions juste avant d'arriver devant une petite fontaine là. Petite pièce d'or. Je sais pas ce que. Je prends une notification. Un petit puits. Hop. Jarna. Ah, puis c'est vrai que ça revit ces merdes en plus là. C'est quoi ça, santé, je viens de prendre de... Toi je te déteste. Alors, par là peut-être. Est-ce que c'est grand? En fait c'est la question que je me pose. C'est genre, est-ce que c'est énorme le donjon de la pierre monde? Là, j'ai entendu un petit truc intéressant tomber, voilà. Petite topaze. Ouais mais du coup là on a fait le... Non, c'est par là. Ah, j'ai pas fait par là-bas. Ah, il y a un passage là. Du coup, c'est par là-bas. Il y a un niveau là. Je l'ai vu. Tranquille. C'est moi tranquille. Prends le truc de mana. Non. Enfin, je pouvais pas le prendre avant ça. Où ce truc là? Voilà, je te vois. Espèce de truc bizarre, chelou. Il me faut plus de mana. Allez, crève. Plus de mana, hop. Ah merde, putain, j'ai cramé toutes mes potions de mana en rab, quoi. C'est un truc de fou. Alors, on y retourne. Je savais que les anciens vous trouvent. Oui, bref. Merci, je suis au courant. Alors. Clé, on s'en fout. Alors, on va déposer ça dans le coffre. On va prendre. Voilà, deux rangées de mana. Et on va y aller. De toute façon, je pense que tous les objets rares ont été lootés tout à l'heure. Alors. On va déposer ça ici. Attends, il faut que je fasse les fusions des trucs. Et on continue pour aller au niveau suivant. On va aller chercher donc. Le niveau 2. Le téléporteur. Où c'est que t'es le téléporteur? Ok, ça. Le téléporteur. Comme ça, je reviendrai directement ici. Là, on est vraiment avec l'armée de balles. Hein. Ça XP bien, c'est cool. Il me faut plus de mana. Je crois qu'ils explosent là. Et vous? Potion de mana, je prends. J'ai l'impression que mon quête DPS, c'est un truc de fou ça. Et pourtant la mission d'avant, aucun souci pour... Hop.
Bon, on se coupe le sac. Mais pas par ici. Peut-être par là. En tout cas, il est stylé le donjon. Je l'aime bien. Alors, par là, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Ah, l'autre qui explose là. Peu de mana. La barre d'XP ça monte super vite quoi. C'est quoi, je vais pouvoir vite monter en level, débloquer encore plus mes capacités. Déjà je crois que je suis à un niveau qui est quand même assez élevé par rapport au niveau où on devrait être ici, je crois. Et ça m'empêche pas de me faire défoncer par Diablo encore. C'est dingue quand même. Peut-être de l'autre côté, on va finir ce petit rond là, ce petit passage. Oula. Il me faut plus de mana. Et on recherche le téléporteur qui est pas là, peut-être par là-haut. Ça, on partira directement d'ici et on pourrait finir. Là, c'est le niveau 3, donc c'est pas par là. C'est pas ça que je recherche tout de suite. Là, c'est le téléporteur. On va partir là-bas, du coup. On a fait ici, on a fait là, donc on va aller là-bas. Et on se laissera là, du coup, pour cette vidéo. Alors. Après un level up sur une explosion. Une potion alors qu'il y avait chez lui, on avait entendu un bruit que j'aime bien, un petit anneau. Alors du coup la salle du téléporteur. Oh. Ben, je suis pas de grande hache, ça m'intéresse pas. Par là. Bah dès qu'ils changent de couleur, j'ai l'impression que c'est des élites, mais en fait non, c'est juste qu'ils ont les changements de statut sur la tronche. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Quelque chose ? Ouais, bon, ça on s'en fout. Donc il n'y a rien par là, donc tout est là-bas. On arrive peut-être au téléporteur. Je suis en moins de mana, c'est bon. Alors. Vous là. Ah, il est là le téléporteur. Yes. Il nous reste toujours le corridor de la souffrance que j'ai pas fait. Faites. Donc, voilà. Ok. Bon, bah, on a pas mal avancé. Là, on est du coup. La dernière quête. La dernière quête. Hein. Trouver la salle du trône de Baal. Et je suppose que derrière, c'est le tuer. Donc on va se laisser là pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.